Coucou les choucrouloutes, ici Loupina pour l'épisode numéro 129, je crois, du 100 Baby Challenge. On est toujours à 53 bébés, mais je pense que Pierre ne va pas tarder à coucher. Il y a un chat qui passe. Coucou, coucou. Oui, Grougal? Viens là, espèce de petit minou d'amour. Grougal m'accompagne dans cette intro. Est-ce que c'est pas trop chou? Lâche-moi! Mais il force, hein? Il appuie son museau contre ma main. Bon, bref, c'était l'interlude chat. Il est réveillé, donc vous allez certainement l'entendre miauler incessamment sous peu, parce que ce chat aime miauler. Bref, je vais arrêter de bavarder, puisque de toute façon, je sais même plus où ce que je disais. Et on se retrouve dans le jeu. Alors, je vous explique, la nuit est passée, j'ai fait se lever les gosses, enfin les ados, pour qu'ils fassent leurs leçons. Et là, en fait, ils sont censés aller à l'école, mais je veux qu'ils aient 3, parce que, regardez, ils sont sur le point d'avoir un A. Ça veut dire qu'ils vont bientôt partir, et je les ai relookés au passage. Hein. Bon, Dersimer est déjà parti, mais bon. Donc là, on a Payette qui est en pyjama, et Miss Panda. Voilà, voilà, très intéressant, passionnant, tout ça, tout ça. Et en fait, ce serait drôle qu'ils partent avant que Pierre accouche. Donc, il faudra vraiment se manier. Donc, elle, c'est bon, elle a son point, va à l'école, vite. Vite. Et toi, tu joues, vitef. Allez, tu y es presque. Vas-y, plus vite, plus vite. Alors, attendez, révisez assidûment, voilà, 86, 87, 90, 90, plus vite, plus vite, plus vite, voilà, hop, vite, à l'école. Ça reste quand même excellent, donc c'est cool. Aïe, 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 allez, zouzou, zouzou, voilà, c'est bon, elle y est, parfait. Donc, ils vont avoir un « Ah, ça, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. » Et qu'est-ce qu'il a... Ah, tiens, ça a débugué, ça. Ça s'affiche maintenant, c'est genre 30 épisodes plus tard, je pense que c'est parce que je suis retournée dans le casse pour les relooker, et quand je suis revenue, ça s'est affiché. Bon, alors c'est un nouveau bug, c'est passionnant, on va le virer de toute façon, voilà, ça nous fait 100$. Je crois que ça vaut plus cher pas fait que fait, c'est quand même incroyable. Bon, ouais, faudrait vraiment qu'ils reviennent, les gosses, là, parce que Pierre est déjà au troisième trimestre, donc il est sur le point de pondre son chien, là. On va vendre tout ça, parce que ça nous fait grave de la thune. De la thune. De toute façon, c'est improbable que, quand bien même j'arrive à retirer les triplés là, c'est improbable que j'ai d'autres triplés. C'est pas possible, je pense j'en aurai un ou deux à tout casser, mais pas 3. C'est pas... Non. Cela dit, ce serait très très drôle si je me retrouvais avec 6 bambins. Oui, mais j'aime le danger, que voulez-vous? Quel danger? Moi, je me ris du danger. Bon, si vous avez trouvé la ref, mettez-le en commentaire. Et si vous ne connaissez pas la ref, bah là, je peux plus rien pour vous, les gars. Hop, on vire. Ça, on va le garder, on va le foutre là. Ça, on va ouvrir. Le truc de jardinage, là, c'est chiant. Ça, on met là. Excusez-moi, le canard, on va le garder pour un usage tout à fait normal. Où est-ce qu'on va le mettre? Voilà. De nos jours, la vie est dure quand on est un petit canard. Bref, non, on va l'ouvrir. Allez, Pierre. Donc ça, on va vendre parce qu'on en a déjà plein le frigo. Bah, ouvre. Ouais, ok. Il n'y avait rien dedans, c'est nul. Hop, et ça, ouvrir. Allez. Ouvre. Ouvre la boîte. Non? Bon, bah, je vais me faire mettre. Hein. Oh là là. Faire le minimum. Voilà. Tu peux ouvrir la boîte maintenant? Non, toujours pas. Bon, bah tant pis. Il y a comment ça s'appelle? Maya qui s'est réveillée. Donc, on va aller la nourrir, parce que je suppose qu'elle a faim. Hein, c'est toujours pareil, les bambins. Ah non, c'est le social qui va pas. On va quand même la nourrir, comme ça on sera tranquille après. Hop. De toute façon, je m'en fous qu'il soit pas bien. Là, on va rush.
Ah, les zous. Zou, zou. Zou, zou, zou. Pourquoi je peux pas l'ouvrir, cette merde? Faut que je la pose? Ouvrir. Alors? Bah, c'est nouveau, ça. Et du coup, ça coûte combien, cette merde? 75. Rien. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Est-ce qu'il y a des trucs à faire au niveau du jardin? Il y a rien qu'à pousser? Ah, bah, si, quand même. Tout récolter. Hop. Ah, on peut faire évoluer ça. C'est cool. On va avoir des carottes encore meilleures. Ça, c'est trop bien. Regardez, on a des mûres, des raisins, des carottes, là. Du fruit plasma, des poivrons. C'est cool. Quoi, Chacha? Mais on n'a pas le temps! Oh, elle est pénible, elle. Voilà, faut bien qu'on ait un peu de thunes, vu le prix des factures. D'ailleurs, apparemment, c'est cette merde-là de thermostat qui fait que ça coûte beaucoup plus cher, donc du coup, on va le désactiver. Parce que je crois qu'on est passé de 8 000 ou 10 000 de factures à 18 000. C'est quand même un peu beaucoup. Un petit peu. Bon, maintenant, Pierre, tu vas faire ce que tu veux. Je m'en carre le coquillard. Hop, faire pipi, prendre une douche. Voilà. Et ensuite. Ah bah, c'est gâté. Ah bah, super. Super, quoi. Bon. T'en es où, toi? Niveau de tes compétences. Ok. T'as rien fait à part le pot. Eh ben, tu vas continuer. Je suis désolée, hein, c'est pas du tout captivant pour toi, ma pauvre. Mais il va bien falloir. Ensuite, tu iras babiller le machin. Et toi, t'en es où? Réflexion. La réflexion est bientôt terminée. Donc, tu vas continuer. Et toi, toi, ce serait bien. Je crois que t'as pas indépendant. Petit Jordan. Je sais pas. Bon, tu vas finir au moins d'avoir ton deuxième point en réflexion. Et après, on verra. Oh, lui, il pue, le pauvre. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut rusher les bambins, machin. Si je perds du temps, c'est pour ça que c'est un challenge de toute façon, les gars. Donc si je perds du temps à bien m'occuper de tout le monde, bah je pense que le challenge va durer 10 ans réels. Déjà que ça fait 3 ans que je le fais, hein. 3 ans. Des réelles années, des vrais jours. Après, je sais que je sors qu'un seul épisode par semaine, que je pourrais en sortir plus. Mais franchement, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il a? Froid. À froid à cause de la température. D'accord, on va remettre le chauffage. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Bah ouais, mais bon. Faudrait pas qu'ils attrapent froid tout ce beau monde quand même. Enfin, qu'ils crèvent ou je sais pas. Je sais pas d'ailleurs, je crois qu'il y a des maladies ou pas. Enfin, oui, il y a des maladies, mais genre de froid, un rhume. Il y a des nouvelles maladies, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui, t'es en colère, c'est pas grave. Jordan, il en est où? T'es arrivé niveau 2? Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va te faire faire? Bah écoute, tu vas aller babiller parce que ça monte super vite et on est tranquille. Après, allez, vas-y, mon petit. Oh! Attends, donc paillettes, les notes sont en hausse. Didi, les notes sont en hausse. Oh non, c'est une blague. Ah si, c'est bon. Oh! Ils ont tous A. Vous savez ce que ça veut dire? Ah oui, elle est là. Ça veut dire qu'on va les tèges, on va les tèges, ils vont se casser de la maison, ils vont se casser de la maison. Oui, le gâteau, le gâteau. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Allez, venez, venez, venez. Vous allez vous casser de la maison. Vous casser de la maison. Allez, on se dépêche par contre, les gars. Oui, c'est bien. Tu fais ta crise d'ado, je m'en bats les reins. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est con par contre qu'il n'y ait pas un. Bon, il souffle. Qu'il n'y ait pas un. Vous savez, un trait aléatoire là. Enfin. Oh, il est responsable. C'est cool. Bon, du coup, on va mettre ça. Voilà, il est réticent à son. Pourquoi enrager encore? Oh, ça y est, elle a le niveau 3. Vas-y, ça suffit. Va babiller ce petit ourson. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. toi aussi, tu vas continuer de babiller, 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 toujours babiller, babiller plus, babiller encore, babiller toujours.
C'est bon, t'as remis les bougies. Allez, à toi. Écoutez les gars, ça, si tu peux te casser, ce serait cool. Allez, zou. 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 Allez. Eh ben dis donc, 3 jours plus tard, hein. Voilà, donc paillettes grandies. Hop, elle est morose, c'est super, vénarde. Toi, ajoute des bougies et grandis. Et après, on va les faire partir. C'est impossible que j'aie des triplés encore, donc je m'en fous. Je m'en fous. Non, ça ne va pas. C'est sérieux qu'il meurt à cause d'une crise d'ado qui est pas censée le faire mourir? Gosh, il y a trop de trucs là. Il se passe trop de trucs. Il se passe beaucoup trop de choses. Déjà, Miss Panda, eh ben, ils sont tous adultes. Alors, je m'en fous. Je m'en fous. C'est la première fois que je vois un Sims mourir dans le sang bébé. Enfin, je veux dire vraiment mourir, genre d'un autre truc que de vieillesse. Et même de vieillesse, hormis les matriarches, évidemment, j'ai vu personne mourir. Et en plus, Pierre accouche. Oh, mais cet épisode, c'est le rebondissement, là! C'est encore mieux qu'une série télé! Oh, je suis désolée. Mais ça m'enlève pas de points parce qu'il est adulte. La meuf horrible jusqu'au bout, tu sais. Oh, ils vont être tristes encore pendant 15 ans. C'est pas grave. Les bambins. Non, 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 non. Vous retournez babiller et faire vos trucs, vous. Allez, hop. On n'a pas le temps pour ces conneries, là. Il est mort, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas comme si vous lui aviez parlé un jour. Communication 3, très bien. Tu retournes jouer à Sims Form, s'il te plaît. On notera que la bonne n'a servi à rien. Donc ça y est, il a pécho Pierre, il fait plus rien. Non, vous allez pas voir le décès, c'est bon. Du coup, ils vont être tristes, ça va être chiant. Communication, c'est bon. Tu vas faire de la réflexion, mon petit Jordan. C'est parti. Voilà, donc vous êtes tous tristes. Ouin, ouin, il est mort. Bouh. Ouin, 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 gna, gna, gna. Est-ce que la mort peut se manier de venir le faucher pour que je puisse les dégager? Aucune compassion. Non, mais c'est chaud. J'ai. Wow. Allez, dépêche. Attends, on peut pas supplier? Supplier. Voilà, arrête de chialer et supplie, supplie. On sait jamais sur un malentendu. Oh. Et si c'est quelqu'un d'autre qui supplie? On peut plus. Bon bah, désolé, Didi, j'aurais tenté. Je suis choquée. C'est chaud. Bon bah, les filles, emmenez votre frère avec vous. C'est ignoble jusqu'au bout jusqu'au bout, je serai ignoble. Voilà, allez, au revoir, parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me hanter, en fait, ça me casse les noix. Du coup, ben on va les tèges. Donc je vais gérer les mots. Et je vous reprends après. Oh my gosh. Nous revoilà, je suis tellement. Je sais même plus quoi dire. Est-ce que tu peux t'en aller, Madame la Faucheuse? Non, bon. Ouais. Ouais. Bon, on va le faire accoucher, lui, en tout cas. Les petits loups. Vous en êtes tous de vos trucs, là. Parce que moi, je sais plus où j'en suis avec toutes ces conneries, hein. Ensuite, tu iras glisser. Putain, Dersimer est mort alors que. Mais c'est ouf, quoi. Parce que je sais que ce trait, en fait, ne tue pas les ados. Mais il doit tuer les. Enfin, il doit tuer les adultes direct. Enfin, je sais pas, j'ai. Je vous avouerai que j'ai pas trop compris. J'ai pas tout compris. En plus, j'ai déjà eu. Enfin, il y en a déjà qui ont grandi, qui étaient enragés, mais ils sont jamais morts, quoi. Donc, je sais pas. Bref. On voit les pierres accoucher. Je pense qu'il va y en avoir un. Peut-être deux, vu que. Bah, on va voir, de toute façon. Attendez. Non, je pense qu'il y en aura qu'un, parce que sinon, c'est vraiment la poisse, quoi. Il y a le trait, putain. Donc, je pense qu'il y en aura deux, du coup. J'espère.
qu'il y en aura que deux. Parce que sinon, je vous jure, je rage quitte. Je vais me retrouver à faire le challenge, cette bambin, machin. Ah, je vous avais prévenu que le chat. C'est une fille! Que le chat allait se réveiller. Alors, une petite fille. Où est-ce que j'en suis dans mes noms? Ah ben, on va l'appeler. On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler. Je suis perdue dans les noms. On va l'appeler Mélia. Parce que ça fait un moment que t'es là et que je ne t'ai pas choisie. Voilà. C'est une fille encore une fois. Parfait. Donc, ce sera Soleil. Soleil, tu es là depuis si longtemps sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Allez. Il n'y en aura pas d'autres. Yes! Oh! Alléluia! Oh my gosh! Oh! Oui, ils ont eu des jumeaux, c'est cool, on s'en fout. Ah, je vous dis pas, la pression que j'ai eue là. Je me suis dit, si en plus il y a des triplés, mais c'est le pompon sur la Garonne. Cette expression ne veut rien dire. Ah, ça va mieux. Oh putain, ça va mieux. Oh là là, oh le soulagement. Le soulagement. Oh là 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 là. Oh my god, quoi. Ça faisait si longtemps. Si longtemps. Désolée, excusez-moi, je regarde les noms. C'est passionnant. Oui, mon bébé. Tu es malheureux. Oh my gosh, quoi. Putain, l'angoisse. L'angoisse. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Le chat! Oui, excusez-moi, je. En fait, quand vous êtes sur Discord et que vous naissez dans le sang bébé, je vous envoie un petit message pour dire félicitations, t'es dans le sang bébé. Et je ne dis rien si vous avez des frères et des sœurs, etc. Mais voilà, je trouve ça mignon en fait de faire ça. Donc, venez sur Discord. La meuf et sa promo Discord. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller pécho à notre mec. La meuf qu'on n'a jamais assez. En vrai, on pourrait, hein. Ce serait très drôle d'ailleurs. Mais il faudrait qu'on trouve un type qui se promène pour aller le pêcher parce qu'on n'a pas trop le droit de. Ah, il y a quelqu'un là. Qui c'est? Marlon Brando. C'est quoi ça? C'est quoi ce nom? Marlon Brando. Ça me dit quelque chose. C'est pas un chanteur, une connerie comme ça. Bon, malheureusement, Pierre est triste, alors ça risque d'être compliqué. Mais si on peut au moins aller se présenter à ce trou de balle là, ce serait pas mal. Donc vous glissez, vous êtes tranquille. C'est bien les petits. C'est très très bien. Hop. Comme ça, on est pépouze, hein. Mine de rien, ça va. Franchement. Bon, lui par contre, ça avance pas. Mais bon. C'est pas grave. On en est où d'ailleurs? Oui, mon chat! Alors, Maya, il lui reste le mouvement, l'imagination, la réflexion. Donc la réflexion, ça va être chiant, le reste, ça va aller vite. Bah, de toute façon, le mouvement, elle est en train de le faire. Max, il lui reste la communication, la réflexion, le mouvement. Et bah, c'est quoi qui lui reste? Enfin, la communication, la réflexion, c'est bon, en fait, je m'embrouille. C'est quoi qui lui reste? Le pot. Le pot. Et Jordan, il lui reste le pot aussi. Putain, ça va être chiant, ça. Grougal, tu arrêtes tes bêtises. La tête de fou. De toute façon, je vous avais prévenu, il s'est réveillé, donc forcément. Ah, ça y est, il va voir machin. Mélia a très faim. Oui, mais attends, je dis bonjour au mec. On peut l'inviter chez nous? Oh, il y a un pauvre chien dehors. Ça, c'est triste quand même. Paresseux, bienveillant, gourmand. Ok, très bien. Bon, on va juste aller. On peut lui dire discuter ici, et comme ça, on va aller s'occuper des petits vitefs, des petites là. Avant qu'elle nous soit retirée, parce que ce serait quand même ballot, très 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 ballot même. Allez, on rentre et je verrouille les portes comme ça, il ne sort pas. Il ne sort pas jusqu'à ce que. Bah, allez, maniez-vous par contre. Hein. Putain, 3 jours plus tard. Bon. Ah oui, alors Maxi, je m'en fous en fait. Pourquoi ça met ça? Est-ce que ça met ça parce que Maxi s'est mis un truc dans sa galerie? Parce que si c'est le cas, je m'en bats les reins. Hein. Alors, verrouiller la porte pour tout le monde. Autoriser l'accès aux employés, évidemment. On va aussi verrouiller ici, sinon le petit malin, il va sortir. Tout le monde sauf Pierre. Autoriser l'accès aux employés. Et on va verrouiller ici aussi, tant qu'à faire. Hein. Autoriser l'accès aux employés. Voilà. Il n'y a pas d'autre porte, normalement. Donc c'est bon, le mec est coincé.
Il est pris au piège avec nous. Bon, on va juste s'occuper des petits. Des petites, plutôt. Et regardez, il y en a une qui a l'air beaucoup plus foncée que l'autre. C'est trop marrant. J'espère que c'est pas une vampire. Le chat! Tu fais des bêtises! La tête. Du coup, c'est des fausses jumelles. Ça, c'est rigolo. Il m'en faut peu, hein. Il m'en faut très très peu pour être heureuse. Par contre, Maxis, je m'en fous de ta life. On va. Ah oui, donc il est triste, évidemment. On va complimenter la tenue. Demander conseil, peut-être qu'il va nous réconforter comme ça. Par contre, si tu peux t'occuper des petits, ce serait bien. Bah, elle a juste besoin de changer la couche. Ok. Hop. Complimenter la tenue, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. On va vraiment bah, être pote avec lui, en fait, puisque là. Vu qu'il est triste, il risque de nous faire très vite. Très très vite des vents, en fait. Voilà, si au moins il peut essayer de flirter, compliment déprimant. C'est chiant d'être triste. Didi, tu pouvais pas mourir un autre jour? Oui, je regarde pas là parce qu'il y a mon chat. Gros gal, qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. Il a le cul en l'air. Il est grave ce chat. Soleil, s'il te plaît. Calme-toi. Bon, les petits, ils en sont où? Ça glisse au pays des merveilles. Bon, elle glisse, c'est parfait. Toi, mon petit Max, mouvement, bah, il faut encore que tu glisses, hein. Hop, hop, hop. Ah oui, alors attendez. J'ai enlevé un truc. J'ai enlevé un trait pour mettre la fibre. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va l'enlever. Et on va remettre bonnes écoles. Voilà. C'est con qu'il n'y ait que trois traits. Bon, c'est déjà très très bien. Ça, c'est une nouveauté que j'apprécie grandement. Il pue, lui, c'est pas grave. Allez, Jordan, vas-y. Je sais pas si. Oh, bah, c'est parfait, il s'occupe de nos chiards. Je sais pas si. Comment dire? Si un bambin pleure vraiment. Enfin, s'il se rend. Ouais, donc ça va être chiant, ça. S'il se rend compte que. Bah, que quelqu'un est mort et qu'il reviendra pas. Je sais pas trop, je pense que ça dépend des bambins. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, j'aime bien quand vous m'instruisez. Par contre, je crois que j'ai largement dépassé le temps autorisé. Tu n'as pas le droit de partir! Non, non, tu restes. Tu es enfermé chez moi. Se renseigner sur la carrière. Comment s'est passée la journée? Pierre a appris que Marlon était méchant suprême aux endroits SIMS. Qui forme le mot Sims, n'est-ce pas? Lol, je pense que vous avez compris. Bon, discuter de l'ennui. Pourquoi t'es ennuyé? Blasé. Bah pourquoi? Offrir un cadeau amusant. Est-ce que si on fait offrir des cadeaux pour flirter là? Offrir un cadeau romantique. Ah oui, c'est pas trop romantique ça, Pierre. Bon, en tous les cas, je vais vous laisser ici, parce que j'ai eu un moment d'absence, en mode coucou, oui, je fais très bien les criquets. Coucou. Pire imitation ever de criquet, ok? Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, il était vraiment plein de rebondissements. J'ai du mal à m'en remettre moi-même, donc on a accouché de jumelles, les triplés sont partis, Dersimer est mort, c'était what the fuck? Bref! Je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut!